Bonjour, je m'appelle Sandrine Gazal. Je représente les Shifters Languedoc-Roussillon. C'est une association qui est dédiée à toute la problématique des règlements climatiques et décarbonation de la société, de l'économie, de l'industrie en Languedoc-Roussillon au niveau national, puisque l'association est nationale, mais on a une antenne effectivement ici dans la région à Montpellier et au Pouilly. Alors les actions, on travaille sur la partie sensibilisation. Donc on va intervenir avec des conférences dans des lycées, auprès d'étudiants, de collégiens et même de scolaires. Donc ça c'est tout le volant sensibilisation. On a une partie accompagnement ou démystification en tout cas d'une transition bas carbone auprès des collectivités territoriales et des entreprises. Donc on vient montrer les opportunités d'une transition bas carbone et comment on peut démarrer, on peut se mettre en action, agir en fait. On fait aussi des projets, des études d'empreintes carbone de projets routiers, des contrôles de monuments routiers par exemple. Et on a ensuite tout un tas de petites interventions dans lesquelles on vient porter nos valeurs de décarbonation, de transition de l'économie, de la société. Alors les acteurs privés peuvent nous aider en adhérant à l'association, bien évidemment, en finançant l'association puisqu'on est tous bénévoles hein, sur cette partie-là, et en nous ouvrant leurs portes pour qu'on puisse venir porter nos messages. On peut être entreprise par exemple et avoir envie de faire venir ces sujets-là au sein de l'entreprise, de venir les porter pour en parler auprès des salariés, auprès des dirigeants. Donc ça peut se concrétiser par des ouvertures de portes, des mises en contact. Nous, on est toujours intéressés voilà, pour pouvoir parler au plus grand nombre de personnes et le plus rapidement possible parce qu'il y a urgence.